les plus beaux endroits visités aux États-Unis. Le Grand Canyon. New York. Monument Valley. La route 66. Yellowstone. Le Golden Great Beach. Les Everglades. Le Capitole des États-Unis. Antelope Canyon. Et enfin le quartier français de la Nouvelle-Orléans. Situé dans le nord de l'Arizona, le parc national du Grand Canyon est l'un des parcs nationaux les plus célèbres du pays. C'est l'image par excellence de l'Ouest américain. Fondé en 1919, le parc renferme 4931 km² d'espace protégé et de merveilleuses géologiques sculptées par le fleuve Colorado pendant plusieurs millénaires. Il abrite le massif du Grand Canyon avec ses superbes gousses de roches rouges, témoin d'une longue histoire de développement géologique. Le meilleur moyen de contempler le canyon et d'emprunter le chemin de randonnée nommé Rim Trail. Vous accédez ainsi à plusieurs points de vue exceptionnels. Appelée couramment The Big Apple, la Gospel, New York est l'une des villes les plus attractives des États-Unis. Cette mégalope électrique regorge de sites historiques, touristiques et culturels, tels que la Statue de la Liberté, l'Empire State Building, Times Square, Central Park, et dégage d'une atmosphère unique qui n'est présente dans aucune autre ville américaine. Pour vous imprégner complètement dans cette culture new-yorkaise, réservez vos places pour assister à une comédie musicale de Broadway. Fan de western et des films de John Wayne, vous ne pourrez pas manquer de faire un arrêt à Monument Valley, l'un des paysages emblématiques et l'un des plus beaux de l'Ouest américain. Localisé à la frontière entre le Texas et l'Arizona, vous pourrez serpenter sur un sentier de 27 km entre les buttes de grès, les formations géologiques appelées mesas et les vues panoramiques. Baptisé en 1926 et de longue de 3943 km, la route 66 ou Mother Road, la route mère, traverse les États-Unis d'est en ouest et relie Los Angeles en Californie à Chicago, dans l'Illinois. À l'époque de sa création, cette fameuse route permettait de favoriser l'immigration vers l'ouest. Aujourd'hui, si l'on y parle des passions, on y aperçoit des villages, stations-service, resteront d'époque classés monuments historiques.
Un voyage aux États-Unis n'est pas complet sans passage au parc Yellowstone. Que faire aux États-Unis et que visiter dans ce célèbre national, établi en 1892 et recouvrant plus de 3500 km² de nature sauvage? Yellowstone fut le premier parc au monde à être nommé parc national. Il était réputé pour sa faune, ses cascades, ses sources d'eau aux couleurs arc-en-ciel, geysers légendaires qui entrent en éruption régulièrement, tels que le Hot Fountain, vieux fidèle. Situé à l'embouchure de la baie de San Francisco, le célèbre pont rouge est devenu l'emblème de la Californie. Inauguré en 1937 pour relier San Francisco et le Marin County, ce pont fascine encore aujourd'hui pour sa modernité et son élégance. Long de 2,7 km et bâti 60 mètres au-dessus des eaux de la baie, vous pourrez emprunter le Golden Gate Bridge en voiture, à vélo ou à pied. Les marécages de Everglades sont incontournablement à faire lorsque vous prévoyez de visiter les États-Unis. À la pointe du sud de la Floride, vous pourrez observer sur plus de 6000 km² l'incroyable diversité florale et animale du parc national d'Everglades. Réputé pour être la plus grande zone sauvage supertropicale du continent nord-américain, montez à bord d'un hydroglosseur et partez à la rencontre des espèces animales protégées telles que les alligators, la montagne ou les tortues. Situé à Washington et surmonté d'une coupe dorée, le Capitole des États-Unis est un lieu symbolique pour les Américains. Construit à partir de 1793, le bâtiment qui sert de siège au Congrès est devenu l'emblème du pouvoir législatif des États-Unis et de la démocratie depuis plus de deux siècles. Le Capitole ainsi s'accompagne, se visite gratuitement et permet d'apprivoiser l'histoire américaine.
Que faire aux États-Unis si vous recherchez un site des paysans? Lorsque vous décidez de visiter les États-Unis, ne ratez pas l'Antelope Canyon, l'endroit le plus phénologique du pays. Situé dans le nord de l'Arizona, ce site, qui se compose de deux canyons distincts, Lower Antelope Canyon et Upper Antelope Canyon, appartient aux Indiens Mavazos. Cette merveille géologique sculptée par le vent et par les pluies torrentielles se découvre uniquement grâce à des visites guidées. Un voyage aux États-Unis n'est pas complet sans avoir parcouru les rues atypiques et pittoresques du quartier français de la Nouvelle-Orléans. Fondé en 1718, surnommé de Vieux Paris, il reflète l'influence française et espagnole, son patrimoine architectural et culinaire. Vivez une expérience unique en parcourant les rues pavées du quartier français pour trouver les maisons coloniales avec leurs balcons en fer forgé et leurs patios fleuris.